Bonjour à toutes et à tous. Et oui, on se le cache pas, c'est peut-être l'une des meilleures journées de l'année. Oui. Je pense qu'on est en train de réaliser notre rêve. Ce pourquoi on a été créé. Mais dépêche, enchaîne. Nous sommes aujourd'hui animateurs de camping. Tous les mots sont bien. Bonjour Pierre Cross. Bonjour Benjamin. Vous allez bien? Animateur, camping, je sais pas quel est mon préféré là-dedans. Bah les deux, la fusion des deux. Qu'est-ce qui va se passer Benjamin? Le but, Pierre Cross, si tu me permets de t'appeler comme ça, ça va être dans la lignée des fameuses une journée comme qu'on a tant adoré, qu'on a tant aimé faire. Et aujourd'hui, dans la lignée de ces vidéos légendaires, nous sommes dans le sud-ouest de la France. On est dans un camping de type familial, sympathique, avec plein d'activités. Qui veut de la piscine aura de la piscine. Qui veut de la plage aura de la plage. J'ai fait tes bacs pendant 30 secondes. Mais nous ne sommes pas seuls, parce qu'on sait qu'on va peut-être être ingérable, on va peut-être pas être les meilleurs animateurs. On a toujours un petit guide dans les journées comme ça. Une aide. On va accueillir Cédric. Bonjour, s'il te plaît. C'est avant tout un physique. Salut garçon. Ça Cédric, la forme. Bienvenue. Très animateur. Pour moi, un animateur de camping, c'est l'enthousiasme. C'est le sourire. C'est le sourire, c'est smile, parce que les gens, quand ils viennent au camping, ils veulent ça toute l'année. Les impôts et tout, merde. Il y en a ici aussi. Il y a les Texas séjour ici. Tu en as partout. Cédric, on va avoir besoin de toi. Nous n'avons jamais été animateur de camping. On va avoir besoin de toi pour un petit peu nous dire quelle activité faire au cours de la journée. Sûr. Il y a des petites astuces aussi, j'imagine. Des petits tips, il y en aura plein. Pas de soucis. T'es en forme, plein d'énergie, c'est le plus important. Moi, je suis un peu le veto. On voit la voix un peu. Cassante, j'aurais bien dormi une heure de plus. Je pense qu'on devrait commencer à 10-11 heures. Voilà. On commence vers 15 heures la prochaine fois. Ouais, voilà, on commence pour l'apéro. Parfait. Apéro. Ah, là, ça va être le grand mot. Est-ce qu'on peut commencer par un petit apéro? Ah non, là, les gars, non. Le matin, c'est plutôt sportif. Hello. Bonjour. Pardon, déjà, je me suis trompé de langue. Super important le bonjour. Faut que je dégaine des bonjours à tout va. Bonjour. 10 heures. Très bien. Un peu agressif même. Un peu agressif. Peut-être un peu menaçant. Je vous propose de démarrer du coup à 10 heures avec un petit yoga. Pas un petit déj, un truc avant ou... Non, petit yoga tout de suite. Avec un prof. Vous les profs. Les profs de yoga. Merci à tous, c'est un plaisir de faire cette vidéo. Je pense qu'elle va être cultissime. Bonjour. Non, vraiment, la personne fait pas. Ça, c'est le camping d'en face. C'est parti pour une journée comme des animateurs de camping. Bonjour. 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 Good morgen. Tu vois Pierre là-bas, c'est le bonheur. Non, c'est le ciel. Bonjour. Pas senti serein sur le humain. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi. On ne laisse personne sur le bord de la route, c'est un adage yoga. Bienvenue dans ce cours de yoga. Aujourd'hui, on va faire quelques pauses. On va remonter un petit peu son chakra, c'est le but. Pas son short. Non, c'est déjà fait, c'est beaucoup trop court déjà. Qui a déjà fait du yoga à très haut niveau? Pas moi. Parce que c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Non, très très bien. On va commencer par des assouplissements, Pierre. Allez. Faites la vague comme ça et vous allez assouplir le bas de votre rein. Allez, on se met comme ça. C'est la pose du scorpion comme on l'appelle. Et on essaye de tirer vers le haut. Comme si quelque chose vous tirait vers le haut. On va ajouter les bras en extension. Et en extension. En extension. C'est plus... Voilà. C'est une genre de planche sans les membres. Allez. Super. Et là, on nage. Ouais, faites-le longtemps. Et l'idée, c'est d'entendre les bruits des vagues. Et vous imaginez que vous êtes dans l'eau. Comme s'il y avait l'océan juste à côté. On bouge les jambes aussi. Hein. Superbe. Et on va se relever tout doucement. Et on tire la position du chien. On tire les fesses en arrière. Et on tend les bras devant. Voilà. Ah, claquage. Une crampe dans le pied. Et on va chercher. Et on se relève gentiment. Le yoga, c'est avant tout la souplesse avec les éléments. Et on tire les cuisses ici. Est-ce que tout le monde peut remercier le Seigneur du Soleil en disant Namasté? Namasté. Superbe. On lève les fessiers. Ouais. Et on relève les mains petit à petit avec les jambes tendues. On a les mains au sol. Ah, je peux pas ça. Et là, on s'étend comme un cadeau vers le ciel. Cadeau. Tout le monde dit cadeau. Cadeau. On va relâcher tout doucement. Et des petits cercles. On s'offre à la terre. On va ensuite mettre les mains droites derrière la tête. La main gauche. Ensuite, on tend le bras droit devant. Le bras gauche devant. On tourne la main droite, on tourne la main gauche, on rejoint la hanche, on rejoint la hanche, on va vers les fessiers, fessier gauche, on secoue et on tourne. Est-ce qu'on peut remercier ensemble le Seigneur Macarena? Macarena. Macarena. Très très bien, on va faire de l'assouplissement, on va se mettre à genoux et l'idée c'est on tourne une fois vers le mal, une fois vers le bien. Vers le bien. Non, non. Oui. Bien. On chasse à gauche. Non, non.
Oui, oui. On va passer à la position du bébé heureux. C'est une de tes positions préférées. Donc là, on est en genou. On part jambe gauche, talon. Main droite, tendue. On retend la jambe droite, la main gauche. Et on retend. Ah ouais. Ok. Au pire, on s'assoit, non? Ouais. Oh, bon, allez, on s'assoit. Avec les mains tendues devant. J'arrive pas. On s'élance en arrière. Ah ouais. Les jambes en l'air. Et là, on vient chercher les chevilles. Et c'est la position du bébé heureux. Alors, ça sent de plus en plus la mer. Il y a la couche du bébé heureux, là. Et là, on se bascule en avant. Et on se rebascule en arrière. Ah, mais j'arrive pas. Moi, je suis comme un culbuto. Moi, je suis très raide. Hein. On va terminer le cours avec un exercice de reconcentration. Car n'oublions pas que nous sommes la boussole de notre propre monde. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous allonger sur le dos et de fermer les yeux. Fermez bien les yeux. On va se concentrer, bien sûr. Concentrez-vous. Voilà. On va vous demander d'imaginer, vous êtes sur une plage. Ouais. Vous êtes totalement allongé et vous entendez donc les bruits de vagues qui vous bercent. Vous ouvrez votre ordinateur et vous tombez sur la chaîne YouTube de Benjamin Verrecchia. Vous vous abonnez. Vous ressentez désormais un bonheur immense. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Vous pouvez vous relever. Le but du yoga, c'est de se délester. Tous ces éléments superficiels. Tout ce qui est les valeurs d'aujourd'hui qui sont pour nous superflues. Les téléphones portables, les portefeuilles. Les Air Max qui sont des choses à bannir, qui sont vers le non et non pas vers le... Oui. Merci à tous. Vous avez été de véritables oiseaux, de véritables pigeons. Merci à tous. Cadeau ! Nous revoilà pour une nouvelle activité. Cédric, on sort du yoga. Je suis azéni là. Tu nous as trouvé comment? Parce que ça, le but, c'est un peu d'être embauché à la fin. Alors, c'était pas mal, il y a une belle énergie. Maintenant, il y a la queue au poste de secours. Sans des longs. Je pense qu'on a été pas mauvais, en vrai. Pour une première, très bien. Cédric, on est en nouvelle activité. Qu'est-ce que tu nous... Bravo! À votre avis. C'est le club enfant. Bonjour les enfants. Le passage obligatoire pour les animateurs, toujours bien sûr le camping, on est très très familial, il y a beaucoup d'enfants, on s'en occupe beaucoup. On doit s'occuper de tous. On peut pas en choisir un qui nous plaît quoi. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire du coup? Je vous donne les clés, vous gérez. On doit s'occuper d'eux. Pas en perdre, le plus important. Il faut les amuser. Ok, d'accord. Bah merci Cédric, à tout à l'heure. Bonne chance, amusez-vous bien. Salut les enfants, à plus tard. Je ne veux rien entendre. On ne parle pas. On fait des pompes. Il en fait plus que moi. Les enfants, atelier dessin ce matin. Atelier quel dessin. Matin le koala il arrive. C'est la mascotte. Bah je vous ai ramené un koala aussi. Non mais pourquoi c'est même pas un koala bah... Attends, je le vois torse nu. Est-ce que tout le monde peut prendre une page blanche qu'on commence un nouveau dessin? Benjamin, je te laisse dire le thème du dessin. Le thème c'est le bonheur. Vous avez 5 minutes pour dessiner le bonheur. C'est un état dans lequel tu te sens très très bien. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Quand par exemple tu manges un gros burger. Vous, pour vous, c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est... La mer. Les frites. Ah bah c'est très bien, Louane, la mer. Mais le bonheur n'est qu'une illusion au final. Non, 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 c'est des gosses, c'est des gosses, c'est des gosses, c'est des gosses. Le bonheur, les enfants, vous connaissez ce mot? Non. Eh bien, vous ne le connaîtrez jamais dans cette société capitaliste. T'as écrit le donneur. Le donneur, c'est un kebab, c'est pas pareil. Pierre, je vais te demander également de prendre une feuille et de dessiner pour toi c'est quoi le bonheur. Mais Pierre, une fois qu'ils font du dessin, on fait quoi? Bah moi je dessine le bonheur. Ah ouais, tu peux aller boire un coup? Ah bah oui, si c'est ça le bonheur. Ton bonheur c'est d'être dans un magasin de bière ou... Oui, oui, c'est un bar. Bon là je vais laisser Pierre avec les gosses. Le but c'est un peu de me ressourcer aussi. L'idée c'est pas de faire toutes les activités tout le temps, tout le temps. Je cherche un animateur de camping. Je vais prendre un mojito, s'il vous plaît. C'est ça le camping, c'est aussi d'évacuer un petit peu comme ça, de prendre du recul sur soi. Et le vrai bonheur c'est quand le bar il est gratuit. On est trop dans la vie active comme ça. C'est pour ça là je vais laisser Pierre un petit peu gérer. Je pense qu'il a des skills. Je pense qu'il a le don avec les enfants. Il va pas se laisser faire. Bon on fait la bagarre plutôt, c'est plus rigolo, non? Vous voulez pas qu'on fasse la bagarre? Vous connaissez Pierre, il va pas se laisser faire. Voilà, et tu parles de mur, tu te redonnes plus. C'est pas compliqué animateur de camping. C'est juste de l'organisation. Et un petit peu de discipline. Toi j'en ai marre. Toi j'en ai marre. Voilà. Tu vas rester comme ça pendant 12 heures. Le bonheur. C'est un bon exercice que je leur ai donné. Bonjour. Quel est le sens de ton dessin? Est-ce que c'est subjectif? Est-ce que c'est objectif? Il y a une allégorie, qu'est-ce qui se passe? Ça tape un peu mine de rien, je vais aller prendre un peu l'ombre avec les enfants. J'ai été regarder s'il n'y avait pas d'autres enfants qui voulaient participer parce que le bonheur, ça se partage. Le bonheur, plus on le divise, plus il se multiplie. Le bonheur, c'est surtout pas de l'alcool. Oui, c'est vrai ça, le bonheur, c'est pas l'alcool, exactement, tu as bien raison. Là. Les enfants, on se retrouve pour un petit peu parler des dessins. Pierre, ça s'est bien passé? Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dû partir, j'ai eu une urgence. Ouais, ça s'est très bien passé. Il y en a qui sont un petit peu dissipés. C'est normal, ça. Mais Pierre, tu peux pas. C'est en vacances, c'est camping, c'est bonheur. T'as quoi là au pied? Ah, c'est ça que t'as peut-être. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur, Baptiste? La piscine. Ah,
c'est bien. Qu'est-ce que t'aimes dans la piscine? Les toboggans. C'est trop bien. On l'applaudit. Louane, je sais que t'es une grande dessinatrice. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Il y avait la vision métaphorique de ce qu'elle disait par rapport à l'autorité parentale subjective. Ouais. On l'applaudit quand même. Il y a des gens pour qui le bonheur, c'est un mojito sur un canapé. Ouais. Tu vois, je trouve ça superficiel. Qu'est-ce que tu nous as dessiné de beau? La piscine. Ah bah, mais c'est le bonheur de tout le monde, la piscine. Ouais. Tu vas être copain avec Baptiste alors? Bah, c'est son frère. Ok. J'enchaîne. Anaïs, qu'est-ce que tu nous proposes? Ah, c'est Titus! Le ciel est de couleur orange, rose et bleu. C'est le coucher de soleil. Ah, mais t'as vu comment elle a bien fait? Très rectiligne, j'applaudis. Trop bien. Et on a Owen. Ah, un gros poisson orange! Il est beau. Pour toi, le bonheur, c'est quoi? C'est un poisson? Un poisson qui nage. C'est un poisson dans l'eau. Moi, c'est donc un lieu, un petit peu comme ça, on peut se réunir. Parce que le bonheur, c'est se réunir. C'est le partage, ouais. Partager un moment tous ensemble. En fait, ça, c'est une sorte de grande tablée comme ça, où derrière, tu as une sorte de vitrine. C'est un bar. Et c'est? C'est un bar. C'est gratuit. Bar, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'as fait un open bar, en fait. Bon, après, chacun son bonheur. Alors, ça s'est bien passé? Cédric, franchement, c'était incroyable. Franchement, on a passé un bon moment. Les parents sont là. Je vous ai vraiment pas trouvé mauvais. C'est que les gosses aussi, ils se mettent pas à notre niveau. Après, je trouve que intellectuellement, ils sont un peu limités. Le principe d'un enfant. J'ai l'impression qu'il y en a un, il a 7 ans d'âge mental. T'as vu le niveau des dessins? La mer, c'est. On fait tout bleu, c'est la mer. Écoutez, ça tombait bien que vous ayez les frites. On va passer à l'aquagym. C'est de la gym dans l'eau, je t'explique. C'est un peu plus. Voilà, regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il faut ici. Ouais, ça fait mal. Bah toi, t'arrêtes toi. Tu m'en as donné un au premier en plus. Non, j'ai pas donné un premier. C'est moi qui ai donné un premier. Ah, tu vas faire quoi? J'ai eu peur. Tu vas faire quoi? Attends, regarde, ramasse ça au moins. De quoi? Oh non. Il l'a eu. Ah, aïe. Voilà. Bon, alors, puisqu'il faut bosser, ok, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'aquafone, c'est un peu plus libre, c'est peut-être un peu plus pour vous, parce que j'ai compris que la souplesse, le cadre, le professionnalisme, c'est un petit peu compliqué. T'as déjà vu des meilleurs animateurs que nous? Blague à part. Oui. On se retrouve à la piscine. Nickel. Allez, c'est parti. Aquafone, de l'eau et du fun. Pierre, on est à l'aquafone. Est-ce que t'es chaud? Bien sûr que je suis chaud, ça va être très intense pour vous. Bonjour, messieurs, dames. On est à l'aquafone, à l'aqua. Oui, c'est toujours assez. Mais je veux vivre ici. Vous êtes dans la piscine, vous êtes dans la piscine. Si. Allez, j'ai des hémorraux. Si. Allez, c'est génial. Bienvenue à l'aquafone. L'aquafone, c'est de l'aqua, mais c'est aussi du fun. Tac, par exemple, le ski de fond. L'idée, c'est de vous forger un corps de militaire. Parce que là, on est au camping, c'est rigolo, on mange des chipolatas, etc. Là, aujourd'hui, on se refait les abdos. On va balancer des frites? Ouais. Qui veut des frites? Ah, c'est fritas, là. Mais ça va, vous allez suivre nos mouvements et refaire les mêmes. On va partir sur un échauffement sans musique. A cappella. Boudin ici. Et 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3. Et on sautille. Le camping, c'est pas les vacances. Le camping, c'est pas les vacances. Tous les jours, je voudrais faire du sport. C'est bien ça. Allez, musique. Tout le monde. Ça, c'est pas mal, Pierre. Les mains, les jambes devant. On prend le boudin. Allez, genoux. Et attention, et 1, et 2, et 3, on tourne. Et 1, et 2, et 3, on tourne. J'ai l'impression qu'ils ont perdu, Pierre. Coupe la musique. Putain, vous avez aucun sens du rythme. C'est pas normal. Vous n'avez pas le niveau. Bras au-dessus de la tête. Et vous restez comme ça 30 secondes, c'est la punition. J'en ai marre, Pierre. Est-ce qu'on est en vacances? La vie, c'est pas ça. Hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager un boudin avec la personne d'à côté. Ah bon? T'as déjà fait ça? Je t'expliquerai. C'est ça le camping? Et on va essayer de nager pendant que l'autre le retire. Voilà, on tient bien son boudin. On ne lâche pas son boudin. Allez. On tire. Et on rebalance la musique. Non, c'est naze, tu danses mal. Messieurs, dames, vous êtes combien? Comptez-vous, là. Et je vais vous demander tous de regarder là. Voilà, ça c'est fait. Attention, on se fait comme ça en binôme. C'est rigolo, ça, c'est rigolo. En fait, ne mettez pas. Attends, tu mets des coups. On va finir par un concours d'apnée. Et celui qui gagne, vit. Voilà, tout simplement. Et quand vous sentez que vous ne pouvez plus respirer, vous restez sous l'eau. C'est là que vous gagnez des points. 3, 2, 1, apnée. Les maîtres nageurs, soyez prêts. Hein. On se casse. Ouais, c'était top là. C'est... Ouais, nickel. L'énergie était là, le sourire, vous étiez. Ils sont tous en vie et puis là, ils ont fait du sport. Tous en vie? Non, en vrai, c'est pas fini la journée. Non, pas du tout. Vous allez aider une dame à monter sa tente, elle a un petit peu de mal, elle m'a appelé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va y aller en voiturette. Ah. Dernière activité de la journée, let's go. C'est parti.
C'est notre cadeau. It's happening, man. Oui, s'il te plaît. Voilà le bolide. On va faire des tours, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous avez une heure, faites un petit tour dans le camping, vous allez rendre service un petit peu aux vacanciers. Ouais, ça on aime bien faire, nous. Faites attention, hein. Ouais, t'inquiète. Allez, de toute façon, moi j'ai le permis. C'est 15 ans que j'ai le permis. On a passé le permis. Ah oui, pardon. La sécurité. Vous allez. Sécurité et merde. Et merde vertu. Et merde. Sécurité et merde. Attention, hein. Oh. Ah, ouais. Pardon. Super, oui, merci Cédric. Et attention, hein. Ouais. Waouh. Ouais, attends. Ouais. Attends. C'est bien ça, c'est bien. T'inquiète, je te montre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Voilà, fais gaffe, il y a des boss aussi, hein. Ouais, ok. Ouais, attention. Ouais. Eh, faut braquer. Attention, le tueur. Ouais. Oh, oh. Putain. Oh putain, je suis bon. Oh putain, je suis trop bon. Ah, bah ça y est, bah voilà. Oh non. On va la soulever, Pierre, t'inquiète. Ouais, ouais. T'as pas une ficelle? On est enlisé. Avec plaisir, ouais, tu peux nous pousser. C'est ça aussi le camping, hein, c'est de l'entraide. Hein. Parce qu'on devait aller aider les gens. Prêt? Vas-y. 3, vas-y, 2, 1, vas-y, 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 à fond. Ah, tu nous aides pas trop là. Quand tu le sens à fond. 3, 2, 1, vas-y, à fond. À fond. Ah, tu nous aides pas là. Ouais. Vas-y, et sinon tous les trois là. Ouais. Ouais, on est bien, on avance, on avance. On avance, les gars. Ouais, c'est pas mal. Ça vous partez normalement. Oh putain, franchement, un grand merci. Ouais, ouais, la manœuvre, la manœuvre. Oh, ouais. Allez, tiens, demande à eux s'ils ont besoin d'aide. Vous habitez ici? Est-ce que vous avez besoin d'aide, un service, un truc? Non, nickel. Ça passe bien, vous passez des bonnes vacances? C'est superbe. You need help for something? Good vacation? Good vacation. Good vacation. Hello. Genre, mais non, tu vois, ils dorment, c'est la sieste. Hello. On réveille pas les gens. Ouais, non, pardon. Ouais. Hello. Bonjour, est-ce que vous avez besoin d'aide? Ah bah bien sûr, bah faut monter la tente, on est là. Tu restes en plein milieu, on s'en fiche. Ouais, t'inquiète. Donc nous, on est là pour aider des gens. Donc comment on peut vous être utile? D'installer les champs. Bah on va s'occuper de ça. Élément central. Moi j'ai le camping un peu dans le sang, hein. C'est un truc, une fois que t'as fait 3-4 installations de tente. C'est déjà plus présentable. Belle hauteur sous plafond. Hein. Puis là, c'est bien pour mettre un lustre. Si vous avez besoin de balayer, je vous mets ça juste là. Voilà. Attention parce que moi je suis pieds nus. Ouais, 1, 2, 3. Et bah voilà. Tac. Il est bien là, il est mieux. Est-ce qu'on peut vous aider à autre chose? Bah, il faudrait gonfler le matelas. Vous voulez vraiment le gonfler, hein? Tu veux t'allonger pour voir s'il est assez gonflé? Mais pas mal, là. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Hein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est Pierre et Ben. Tu vas dormir là? Non, c'est pas bien du tout. Allez, priorité sur l'école et on s'amuse quand même. Merci encore. À bientôt, hein. Quand vous voulez. Oh, mais il est là, lui. On a une petite urgence. De quoi? On a un anniversaire. Urgence. J'ai quelque chose pour vous. Urgence, anniversaire. Hop. Je suis chaud. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, hein? Des boulis? Vous allez à l'emplacement. C'est un cadavre. Vous mettez ça et vous le souhaitez leur anniversaire. Le D04. D04. Allez, c'est parti. T'inquiète, on gère, t'inquiète. D04, c'est où? D04. Ouais, c'est sympa. Bonjour, vous avez besoin d'aide? Non, c'est une voiture. J'ai l'impression d'être Jacques Chirac. Bonjour. 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 Allez. On va ça. Allez, vas-y, on prend là. Vas-y, c'est toi qui fais ça. Ciao. Ouais. Je t'expliquerai. Hein. C'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai fini. Waouh. C'est magnifique. Ouais, t'es bon, tu vois pas bien. Mais t'as vu le truc que j'ai là? J'ai mis le doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a un anniv. Mais c'est toi qui as la laine de koala? Allez, Pierre, c'est ça le camping aussi. Ouais. Là, on va faire plaisir à quelqu'un. En fait, c'est l'anniversaire d'une petite fille et tu vas lui faire un grand plaisir, ok? Mais traîne pas des pieds. Je traîne pas des pieds, j'ai l'élève. Mais... C'est là, Pierre. Est-ce que Maëlle est là? Joyeux anniversaire, Maëlle. Maëlle, je t'ai ramené le joyeux koala. Joyeux anniversaire, Pierre. Pierre koala. Maëlle. Pierre koala. Joyeux anniversaire. À ta gauche. Ah, c'est embêtant. À ta gauche, ouais. Regarde, fais un câlin à Maëlle. T'as quel âge, Maëlle? 18 ans. Félicitations. Tu entres dans une nouvelle vie. On a encore rendu un fier service. Voilà, c'est le but du camping, réaliser des beaux moments. Nous, on va repartir, mais on se voit peut-être tout à l'heure parce que je sais qu'il y a une soirée camping. Allez. Au revoir, Maëlle. C'était ridicule. T'as gâché son anniv. J'ai pas gâché son anniv. Elle est contente, non? Dan qui est posée tranquillement. Bonjour. On fait partie du camping. On veut savoir si vous avez besoin d'aide, un service quelconque. C'est super. Vous lisez quoi? Ah, très bien, Gomorrah. Eh bien, à la fin, Chiro, il meurt. Voilà. Merci beaucoup. Allez, ciao. Bonne journée. Je vais aider quelqu'un. Je vais faire finir son livre plus vite. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Oh, mais il y a notre copain. Ça va? Comment ça va? À la piscine. T'étais à la piscine, c'était bien? La fille d'avant est déjà là? Non. Ouais, elle est en ligne, là. La vidéo, elle est postée, là. Attention, il y a une voiture. Sorry. Sorry. Attends, il y a la voiture. Ouais, la voiture. Sorry. Attends. Sorry. Là, on bouge toujours. Sorry, not sorry. Sorry. Non, tu fais n'importe quoi. Attention, sorry.
T'es en train de gêner tout le monde. Tu fais ouais. Sorry, attention. Oh là ouais. Sorry, attends. C'est bon. Attention. Attention. Ouais. Attention à toi. Attends. Non. Attention. Vas-y. C'est bon, j'ai compris, sorry. Super, sorry. Attention, laisse passer. Ah, attention. Sorry. Ça devient ridicule. Ouais. Sorry. Sorry. Non, super. No, yes. Go ahead. Yes. C'est bon. Attention. Ouais, c'est sorry. Bon. Attention. Sorry. Yes. Sorry. C'est bon? Yes, we did it. Salut les jeunes. Apéro sauvage dans une demi-heure. Faut aller à l'école, hein. Allez. Apéro sauvage dans une demi-heure. Ouais. Apéro sauvage, ça va être génial. Apéro sauvage dans une demi-heure, messieurs, dames. Apéro sauvage dans une demi-heure. Bon, il est plus sauvage, hein, mais... De manière totalement illégale. Oh, le créneau. Tu fais n'importe quoi, créneau. Ouais, c'est parfait. On passe à la supérette. Ça, je pense qu'elles sont bonnes. Moi, j'irai sur des anciennes natures, voilà. Oh Doritos. Est-ce que je prends des fruits? Non, c'est une vraie question. Non, mais... Il y a des gens qui entendent. Tu dis des conneries devant tout le monde. Non, on va prendre un jus de fruits, parce que s'il y a des enfants et tout, petit jus d'ananas, pour ceux qui boivent pas d'alcool et les mineurs. Et puis un petit jus de pomme, hein. Franchement, un petit jus de pomme. Allez, apéro sauvage. Tu vois, le camping, les gens, ils sont trop gentils. Apéro sauvage. Apéro sauvage. Messieurs, dames, on est en train d'organiser l'un des meilleurs apéros sauvages du monde. Attention. Apéro sauvage. On ira chercher le bouchon, hein. On le laisse pas sur le bord de la route. Hein. You want to come to the apéro? Comment? Let's come to the apéro. Take a drink. C'est bon, on a chopé des Allemands. Allez, bien joué, c'est le choix de Pierre. Alors attention, c'est pour vous qu'on l'ouvre. Moi j'en veux aussi. Ça va. Dans les graines? Ça arrive. Ah, c'est bonheur quand même. Donc vous faites quoi dans la vie? Pas ici. Ah ok, d'accord. Donc en fait, on a pris une collègue. Dans les graines, qu'est-ce que je peux vous servir? Ça enchaîne juste pas. Et si vous voulez un glaçon, c'est ici que je voulais vous servir. Ça va, Josiane? Vous passez un bon moment? Vous avez plus de 18 ans? Josiane, vous connaissez le beer pong? C'est pas grave. Oh! 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 C'est sûr. Il y a l'ambiance ici! Ah, les filles, on n'arrive pas. Hein. Il n'arrive pas du tout là. 4-0 là. Oh! Non, Thomas. Oh! Fin du game. C'est fin du game là. Arrêtez, coupez tout. Une fin de journée, c'est incroyable. Cédric, je te fais un câlin, un grand merci. Merci à vous les gars, c'était incroyable. C'est une journée comme des animateurs... Comment? Bug. Journée comme des animateurs de camping, comme on en a rêvé. Vous pouvez vous calmer, Bug? Il y a un moment, faut se calmer. C'est les vagues, c'est Marie-Basse. Ouais. Est-ce qu'on a été des bons animateurs? Toute sincérité, les gens se sont régalés, ils étaient super contents. En vrai, moi, je trouve qu'on a donné. On n'a pas été bons, mais on l'a donné. Il y avait de l'envie, il y avait de l'énergie. Validé par un animateur camping, toi. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Merci. On remercie, déjà, on te remercie toi. Merci à vous. Ton équipe, on remercie le groupe Sandaya. Et on était où, Cédric? On doit le dire, on était... Au camping Sandaya, sous la plage. Sous la plage. C'est à 2 heures de Bordeaux, à peu près, pour que les gens s'y situent. 45 exactement. C'était une journée vraiment extraordinaire. Peut-être une journée comme une autre. Mettez-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on soit. Merci encore Pierre Cross pour m'accompagner dans ces journées. Merci. Quelle émotion. À vous, à très très vite. Et d'ici là, ciao. On repart en fiesta et à très vite. Ciao. On va chanter. La.